C'est l'une des condamnations les plus sévères que le tribunal criminel spécial prononce à l'encontre d'un gestionnaire de la fortune publique au Cameroun. L'ex-ministre délégué à la présidence chargé de la défense Edgar Lemebengo écope de 30 ans d'emprisonnement ferme pour blanchiment des capitaux, surfacturation, détournement des biens publics. Valeur imputée, plus de 23,8 milliards de francs CFA. Il est par contre déclaré non coupable de détournement de 196 milliards. 30 ans pour Mebengo, 25 ans pour ses collaborateurs Maxime Banguet et Ghislain Boutou pour corruption, complicité de détournement et blanchiment aggravé des capitaux. Bernadette, épouse Mebengo, écope quant à elle de 10 ans d'emprisonnement ferme et 9 ans pour Victor Meunier pour complicité de détournement des biens publics et blanchiment des capitaux. Décision rendue peu avant minuit entre le 31 janvier et le 1er février 2023, les avocats de la défense dénoncent une justice injuste. L'instrumentalisation a continué, ça n'a rien changé. Ils n'ont pas répondu, n'est-ce pas, aux moyens que nous avons convoqués. Tous ces marchés ont été imputés aux clients Mebengo TTC. Et ça, c'est dans les pièces qui sont dans la procédure. Bon, ils ont choisi de les ignorer, certainement pour répondre, n'est-ce pas, aux instructions. Et on a pu voir les grandes difficultés que le ministère public avait à réussir à établir une accusation cohérente et surtout à prouver les éléments qu'il invoquait à l'appui de ces accusations. Donc on est vraiment étonné d'abord de la déclaration de culpabilité, mais aussi surtout de la sévérité des sanctions qui sont prononcées. C'est un sentiment triste. Mon client a été condamné pour complicité de blanchiment aggravé de capitaux. Je ne peux pas être content parce que nous avons fait tout ce qui était au pouvoir comme avocat au regard de toutes les pièces qu'il y a dans ce dossier et de toutes les auditions qu'il y a pu avoir pour démontrer que cette infraction ne pouvait jamais exister, ne pouvait jamais être caractérisée. Mais le tribunal en a décidé autrement. Nous avons pris acte avec beaucoup d'amertume. Une défense qui s'est d'ores et déjà pourvue en cassation pour espérer mieux. L'audience en délibéré de mardi était interdite à la presse, difficile donc d'avoir plus d'amples informations, ayant poussé le juge à prononcer son verdict. Rarement, le pouvoir en cassation a porté des fruits dans ce type de dossier, mais en attendant, l'ex-ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Edgar Lemebengo, devra encore passer 26 ans derrière les barreaux, 21 ans pour l'ex-chef de secrétariat militaire adjoint Boutou et Ghislain Victor et Liona Maxime Banguet, inspecteur principal du Trésor et conseiller technique de l'ancien ministre de la Défense. Minkoulou Minla Bernadette, épouse Mebengo, passera encore 6 ans à la prison centrale de Kondengui et 5 ans pour Victor Emmanuel Meunier, ancien directeur général adjoint de SCB Cameroun. Tous, une seule équipe, sont écroués à la prison centrale de Yaoundé depuis le 8 mars 2019.